Question 1. Donc, on nous demande de numéroter les points dans l'ordre chronologique. Donc, je rappelle que le sens de circulation est donné ici. Donc, le premier point est là, le dernier est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc en fait, on a 15 points d'enregistrement et on nous demande de déterminer le type de mouvement pour différentes phases. Alors, on s'aperçoit ici qu'on a différentes trajectoires. Une trajectoire rectiligne, une trajectoire circulaire et enfin une autre trajectoire rectiligne. Donc nous avons ici trois mouvements différents. Donc on va pouvoir séparer comme ceci et comme ceci. Donc on en déduit que de 1 à 4, nous avons donc un mouvement rectiligne. On remarque que la distance entre deux points consécutifs ne cesse de diminuer au cours du temps. C'est donc un mouvement rectiligne et décéléré. Le deuxième, on voit que nous avons un mouvement circulaire. La trajectoire est un cercle, nous avons donc un mouvement circulaire. Et on s'aperçoit que la distance entre deux points consécutif est sensiblement la même, donc la vitesse est constante. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Et enfin, pour le dernier, mouvement là aussi rectiligne. On s'aperçoit que la distance entre deux points ne cesse d'augmenter au cours du temps. Donc, mouvement est rectiligne et accéléré. La question 3 nous demande de calculer la vitesse au point 2, donc ici V2, et la vitesse au point 3, V3. Donc, je rappelle la définition, c'est: pour déterminer la vitesse en un point, vous devez avoir un enregistrement avant et un enregistrement après. Donc on doit encadrer le point considéré par deux enregistrements. Donc on écrira que c'est la distance parcourue M1, M3 sur la durée pour aller du point au point 3 delta t. Ce qui s'écrit V3 égale. Alors, la distance parcourue, on nous dit que entre deux traits consécutifs, nous avons 5 mètres, donc il suffit de compter les traits entre le point 1 et le point 3 et de multiplier par 5 mètres pour avoir la distance parcourue. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc il y a eu 10 carreaux parcourus, 10 fois 5, c'est-à-dire 50 mètres de distance parcourue. En combien de temps? Eh bien, entre deux points consécutifs, il s'est écoulé 2 secondes. Donc 2 secondes entre le point 3 et le point 2, 2 secondes entre le point 3, 2 et le point 1, c'est-à-dire en tout 4 secondes entre le point 1 et le point 3, donc divisé par 4. Donc on en déduit, je vais écrire ici, V3 égale 12,5 mètres seconde moins 1. Pour le point 3, c'est exactement la même remarque. Donc je vais l'écrire à ce niveau. V3 égale un enregistrement avant et la distance parcourue entre un enregistrement avant et un enregistrement après, c'est-à-dire entre le point 2 et le point 4. Donc on écrira la distance parcourue entre M2 et M4 divisé par delta t.
Je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 carreaux fois 5 mètres divisé par la durée. 2 secondes, 2 secondes, c'est-à-dire 4. Divisé par 4. Soit 30 secondes divisé par 4. Ce qui nous donne 7,5 mètres secondes moins 1. À question 4, on demande le signe de l'accélération pour cette phase. C'est-à-dire entre les points 1 et 4. Alors, on a vu que la vitesse au point 2 valait 12,5 mètres secondes moins 1 et V3 égale 7,5 mètres secondes moins 1. Donc, je rappelle que la définition de l'accélération, c'est delta V sur delta T, donc une variation de vitesse sur la durée, c'est-à-dire V3 moins V2. Attention, c'est toujours vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par delta T. Donc si on fait le calcul, ça nous fera 7,5 moins 12,5 divisé par delta T. Donc ici, je m'intéresse uniquement au signe, mais pas à la valeur. Et on voit que le numérateur est négatif. Donc l'accélération est négative. En conséquence, on a donc un mouvement rectiligne décéléré. La vitesse ne cesse, du fait du signe négatif, la vitesse ne cesse de diminuer au cours du mouvement. Donc on retrouve bien la première constatation qu'on avait faite dans la question 1, 2, 2, 2.